I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. You were always the best. Nobody ever came close. You defined the art, and it defines you. Your actions have changed the world. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Good morning, 47. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the Jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled bioengineer employed by the Ether Biotech Corporation. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project, a DNA-specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Imagine a bullet, fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm, invisible and undetectable until it strikes its target. A world of armchair assassins killing with impunity. This is what awaits us, unless Caruso is stopped. You will also need to deal with Caruso's lab head, Francesca DeSantis, a high-level Ether employee and cutthroat corporate climber who holds intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place. This is no ordinary contract, 47. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core ideals. So failure is not an option. I'll leave you to prepare. Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. La première question que je me suis posée, c'était comment j'allais rentrer dans cette ville-là. Mais après un court repérage, j'ai décidé de retourner à la planque. Une fois à la planque, il fallait que je récupère le poison mortel que j'avais pris dans mes valises. Après un long repérage, j'ai réussi à trouver une faille pour rentrer dans la cave à vin. Ça va me permettre de pouvoir monter dans les étages supérieurs et atteindre mes cibles. Ce qu'il me fallait, c'était un déguisement pour pouvoir me fondre dans la masse. Donc j'ai utilisé un générateur pour faire diversion. Et isoler un garde pour lui récupérer son uniforme. Comme d'habitude, fallait que je cache le corps. Pour pas me faire repérer trop facilement. L'infiltration, c'était bon. Maintenant, fallait que j'aille désactiver les caméras. Comme ça, pas vu, pas pris. Donc je me suis débarrassé du garde. C'est désactivé. Le souci c'est que j'ai entendu du bruit et j'avais laissé le cadavre du garde dehors. Je me suis dépêché tout de suite de le cacher. Et quelques secondes après j'étais grillé. Par la même occasion, j'ai entendu une conversation de l'une de mes cibles qui appelait sans doute une agence, peut-être, je ne sais pas. Thank you.
wanted my recommendation. Excuse me, that is none of your concern. Roberto is a distraction, nothing more. I am well aware it's going to be expected. Caruso is not exactly used to be welcome. Believe me, everything is under control. Now it is important. There's something I need to investigate. Après cela, je suis retourné à la planque pour récupérer une balle de golf explosive et un couteau pour la même occasion. En fouillant un peu partout, j'ai découvert une déclaration d'amour entre le coach de golf de Caruso et Francesca De Santis. Désormais, il fallait que je récupère le costume du coach de golf. J'allais m'en servir pour éliminer l'une de mes cibles, voire les deux. Et voilà, ne me restait plus qu'à répondre aux avances de Francesca, en utilisant le téléphone du coach. It's me. Roberto, Silvio let you off early. I want us to meet. Your room. I should say no. But you won't. See you soon. J'ai directement préparé le terrain en empoisonnant la coupe de champagne de Francesca. Une fois qu'elle allait en boire, elle allait avoir un choc foudroyant. Et mourir. Candles, my favorite. You are impossible, Roberto. Look, don't talk. Just listen for a second. I like you, Roberto. You're a lot of fun, and I could even see this under the right circumstances. The situation? It's complicated. You see, Ether, the company I work for, they didn't just send me here to assist Caruso. They sent me here to spy on him. They fear he is becoming a liability. A threat, even. And from what I have seen so far, I think they might be right. This could be dangerous, and I thought you deserved to know. So, well, now you know. Now, my bosses, they say you are a distraction, and they want me to break it off. So, I don't know. I feel so... Oh my God! The champagne! Roberto, how could you... Et voilà, j'avais tué ma première cible. Il ne me restait plus qu'à tuer Silvio Caruso. Pour atteindre Caruso, il me restait juste à changer une de ses balles de golf par la balle de golf explosive et attendre l'explosion. Mes deux cibles étant mortes, il ne me restait plus qu'à détruire le virus. Pour cela, je devais piquer un déguisement de laborantin et un pass. J'ai dû me débarrasser de mes affaires pour passer la fouille et pouvoir rentrer dans le laboratoire. Une fois dans le laboratoire souterrain, il fallait une tenue pour pouvoir entrer dans le sas de décompression et accéder au virus. J'ai
J'ai imaginé que pour détruire ce virus, j'allais devoir changer un peu les conditions de la salle, retirer la ventilation, ce genre de choses. Donc j'ai d'abord désactivé le système de ventilation, ça allait permettre une surchauffe pour pouvoir détruire le virus. Après je me suis arrangé pour distraire les deux scientifiques qui me gênaient et pouvoir trafiquer le virus. J'ai donc augmenté la température du virus, ce qui allait créer un échauffement et détruire le virus. Une fois le virus détruit, il ne me restait plus qu'à partir. J'ai donc décidé d'emprunter l'hydravion de Silvio Caruso. Ether Security's in the dark about the incident. A few at the company knew about the virus, not even the board. Must have been someone at the lab. I understand. I'll get to the bottom of this. Boss is unhappy. I followed you from Italy. I guess when you're invisible, you stop looking over your shoulder. You did this. Iago exposed you. ICA did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, your mind. How do you expect... I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. You strike from behind. Now give me the key. You have a family? Trust me, if there's a weakness, Providence will find it. Take my chances. The key. Fine. Won't do you much good. It's funny. Cobb said the same thing. Thank you, messenger. Don't. I just killed you. And we're even.